pense. Le problème se pose, voilà. Qui engage l'un des contribuables congolais? Tout est centré à la présidence de la vision même. La vision ne se trouve pas. Oui. Mais nous sommes dans un état. Jean-Marie, ce qui régente l'état, c'est la constitution de la République. Qui doit engager les dépenses? En cas de problème, à répondre. Le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est le gouvernement. Et à ce stade, tout est centralisé à la République. Mais ce Les léopards n'ont pas pu effectuer les dépenses dans de bonnes conditions à cause du blocage de la présidence. Le peuple congolais n'a pas suivi le match parce que la présidence n'avait pas caissé de l'argent. C'est normal dans un état. C'est vrai que c'est le directeur des cabinets qui autorise. Dès quand vous allez retrouver un directeur des cabinets dans la chaîne de dépenses, vous voulez encore nous ramener un autre procès bidon du genre programme procès 100 jours. Le peuple congolais n'a pas besoin. Merci beaucoup. Je pense que ça nécessitait l'apostrophe. Mais moi, je suis préoccupé par la situation qui prévoit à l'Assemblée province Kinshasa avec le président Rodin Poy, qui est d'une autorité sobre et bon citoyen, parce que non seulement ses interventions, notamment ici à la Télé 50, vous les appréciez, mais aussi tout ce qu'il pose comme acte des dénonciations depuis qu'il est là. Mais apparemment, il est dans le collimateur de certains. Alors, je suis avec Israël Moutala, qui est aussi réputé pour quelqu'un d'équilibré, un très équilibré. Qu'est-ce qui se passe en réalité au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Pourquoi on étend à ce président en pays, pasteur de son État? Avant de réagir sur cette question, j'aimerais un peu dire sur les élections. Oui. Voilà. Pourquoi je ne partage pas l'approche de... Des dates. De Nico. Oui. Parce que il considère les élections comme une panacée. Moi, je ne considère pas que les élections sont une fin en soi. Les élections, pour moi, c'est un moyen, justement, où on renoue classe politique. Et au-delà même de l'alternance, il faut une alternative. Parce que le piège ici, c'est quoi? C'est des alternances sans alternative. On a vu que les premiers pas de l'UDPS, jusqu'à présent, ça a été plutôt une alternance sans alternative. Pas de fond. Qu'est-ce que ça veut dire sans être? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une offre alternative à Joseph Kabila. Qualitativement, ce pays avait besoin de rupture. Rupture. En matière de gouvernance, les ministres de l'UDPS sont aussi médiocres, si pas pires que certains ministres de Joseph Kabila. Attention, vous aurez et donc, dit. Oh non, je ne suis pas... Les combattants sont étables en ce moment. Dès que vous touchez à l'UDPS, à ces ministres... Le problème, c'est que ma liberté d'opinion, ma liberté de penser, ma liberté d'expression... N'est pas aliénable. N'est vraiment inaliénable, n'est pas aliénable. Et ensuite... Je sais défendre mes droits. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas qu'il y ait cette dictature de la pensée unique. Non. Je suis libre et je dis ce que je pense. Alors par rapport à ça, ça veut dire que je me... Moi, ça veut dire que je me disais ceci. Ça veut dire que... Regardez un peu un cas qui est simple. C'est le gouverneur du Kasaï oriental. Oui, mais... Alors, il est des notoriétés. Qui n'a pas voulu quitter son poste d'ailleurs. Qu'il est revenu en tambour battant. Il est des notoriétés publiques qu'il est incompétent. Mais en le nommant, en le proposant à ce poste-là, l'UDPS a récompensé, comme dans ses habitudes souvent, la fidélité au détriment de la compétence. J'espère que cette fois-ci, que le président de la République commandes, après l'application de la majorité à l'Assemblée nationale, qu'il va, cette fois-ci, privilégier la compétence à la fidélité. Les militants, c'est bien, ça, c'est bien, mais les gens, et c'est triste, il ne faut pas récompenser une certaine fidélité. Donc, parce que la fidélité, le militantisme, ça ne résout pas le problème. Tu peux avoir fait 30 ans comme UDPS, 40 ans, ou même plus de 100 ans. Mais pourquoi peu importe, ils se sont battus alors? Peu importe. Il faut se retrouver. Non, peu importe. Mais vous allez vous retrouver, vous avez quelques qualifications entre-temps. Est-ce qu'à l'UDPS, d'autres personnalités
de meilleure qualité, de meilleur calibre. C'est ça la grande question. Mais vous avez sacrifié votre vie, mais, les gaz lacrymogènes, prison. Mais justement, mais est-ce que quand tu as humé du gaz lacrymogène par exemple, ça donne une qualification, par exemple, pour piloter un avion? Non. Tu n'as pas la qualification d'un maître. Tu as humé du gaz lacrymogène, tu peux aller dans une salle d'opération. L'État, ça se gère, l'État, ça a des normes. L'État, ça demande de prérequis. L'État, c'est une grosse machine au service des régénérales. Et donc, pour donner à quelqu'un cet instrument, il faut qu'il en ait les capacités. Et donc, j'aimerais que l'UDP soit regardant sur cette question-là de la compétence. Parce qu'on va perdre, on va tourner en rond. Vous êtes en train d'anticiper le gouvernement, là. Non, je vois apprécier les ministres entrants. Non, c'est parce que... Avec un plus d'exigence. Non, c'est parce que vous m'avez ramené cette question d'alternance sans alternative. Oui, oui. Je disais qu'il y avait besoin de choc, de rupture. Mais dites-nous aujourd'hui, sommes-nous dans un Congo? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en termes de gouvernance? Sommes-nous mieux gouvernés qu'hier? L'état de droit, c'est ça le problème. Sommes-nous mieux gouvernés qu'hier? Est-ce que, de manière qualitative, notre gouvernance a fait un bond? Comment? Est-ce que c'est quantifiable? À quels indicateurs? Voilà les questions qu'on doit se poser. Par rapport à ça, je pense que le président lui-même a fait le constat. Il a estimé qu'il fallait réqualifier la majorité. Et cette fois-ci, il n'a pas droit à l'erreur. Alors, c'est ce que je disais à Nico. Les élections ne sont pas une panacée. Et moi, je commence à m'interroger même pour notre pays. Je connais les mots qui rongent notre pays et je commence à m'interroger. Sur la nécessité des élections? Non, sur la pertinence de la démocratie comme mode de gestion, de gouvernance d'un État aussi complexe comme celui-ci. Vous voulez nous amener dans une Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, on veut tellement plaire au peuple qu'on tombe parfois dans la démagogie. Ça veut dire que parfois, c'est qu'il y a peur de prendre des mesures impopulaires, sachant qu'il y a une élection à préparer dans 3 ans, dans 4 ans. Donc, pour prendre certaines mesures impopulaires, il va hésiter parce qu'il sait qu'il y a une échéance, dans quelques années et que ses adversaires politiques, Fayoul notamment, peut surfer sur ces mesures impopulaires pour lui régler des comptes politiques une fois les élections arrivées. C'est ça le problème. Moi, je suis pour une gouvernance consensuelle. Les grandes forces se mettent d'abord d'accord à un moment. Vous avez Bemba, vous avez Fayoulou, vous avez Kabila, vous avez Tshisekedi, j'en oublie, je ne sais pas, vous avez Katoumi, vous avez toutes ces grandes forces. Vous dites, voilà, le pays, on se met d'accord pour diriger le pays 10 ans. Les mesures, on se met d'accord sur une matrice de réforme courageuse. Et puis on rouvre comme les élections. Comme Kabila l'a fait avec un plus 4. Là, maintenant, je vous dis qu'on ne va pas se tirer. Vous avez vu la démocratie qu'on nous appelle. Les assemblées provinciales, désordre. Dans les partis politiques, désordre. Au gouvernement, désordre. Nous sommes dans un carrefour politique. Et donc, moi, j'estime aujourd'hui que les élections, c'est vrai. Nico a raison de rappeler que les élections doivent se tenir à échéance précise et tout ça. Mais encore faut-il que ce soit des élections libres, équitable et transparent. Et surtout fiable. Et ce n'est pas gagné. Fiable. Et enfin, un dernier mot sur Tshilekelou. Est-ce que c'est 100 jours C'est différent de 100 jours, il faut être honnête. Tshilekelou a un partenariat public-privé. Et encore une fois, c'est urbaine. Encore une fois, c'est l'État qui est incapable de financer les infrastructures, qui essaie de les financer tant bien que mal. Mais encore une fois, c'est une question des moyens de l'État. Vous avez un État qui est pas pauvre, avec d'immenses défis, 4 milliards de ressources propres. Et vous avez, au lieu d'économiser, on augmente le train de vie de l'État, avec les agences qui ont été créées, ça et là, notre président de la République. Voilà, ça veut dire que vous augmentez les charges alors que vous avez des moyens limites. L'institution présidente, par exemple, je suis donné des gros chiffres, ça fait 200 millions de dollars, le budget de président. 200 millions. 200 millions à Alors peu près. Alors, on a vu l'équipe de à peine quelques dizaines non, de collaborateurs. Ça c'est l'administration. L'administration. Mmh. Ce n'est pas le cabinet Biden. Mmh. Mais quand même, administration et cabinet, c'est une équipe restreinte. Mmh. Vous avez la présidence à peu près de 200 millions de dollars. Le Sénat, l'Assemblée nationale, est dans l'ordre de 100 millions de dollars l'an en termes de budget et tout ça. Mmh. Le gouvernement, et tout ça. Donc, c'est des grosses structures. Quand vous prenez tout ça, ça va donner autour de 500 millions l'an. Et quand vous prenez sur une mandature, nous sommes 2,5 milliards. 2 milliards de dollars. Rien que l'État de l'État. Bien sûr, l'État de l'État. Alors, est-ce qu'on ne doit pas réduire avant de chercher de nouvelles
recettes, réduire d'abord les trains de vie significativement pour dégager des ressources. Parce que pour moi, j'estime qu'il y a des gens comme Macky Sall, par exemple, lui qui a pris la résolution de supprimer le Sénat. Et donc, avec ça, il a fait des économies, il a pu dégager. Donc, nous sommes des gens paradoxaux. On donne le pouvoir de gestion courante au gouvernement, mais se trouve au niveau du président. Et on a vu que Tshisekedi a renversé l'ordre de choses avec la République africaine. Mais en principe, si on était sur le plan orthodoxie constitutionnelle, cette situation ne pouvait jamais arriver. Parce que de réqualification. Ça ne pouvait jamais arriver. Ça coince de président des groupes parlementaires. Bien sûr, ça ne pouvait jamais arriver. On a créé des monstres juridiques. Parce que ça ne pouvait jamais arriver. Alors, clarifions nos actions. Parce que je comprends aussi le président de la République. Vous avez un gouvernement qui gère au quotidien, mais la personne qui demande de compte, c'est le président de la République. Moi, je pense que simplifions, ayons un régime présidentiel. Le président, il est nommé, ou bien il est voté pour 5 ans, il a plein pouvoir et il mène sa machine. Donc, cette dualité de l'exécutif entre un président et un gouvernement fait que nous nous trouvions dans des situations comme où la population ne comprend pas très bien nos institutions. Elle ne demande de compte qu'au président de la République, pas à son premier ministre. Merci. Alors, on va faire intervenir Eric Wemba. Lorsqu'on regarde de près, la remarque d'Israël Moutala est plus que pertinente. Alternance voulue par Nicofaï, mais pas d'alternative au niveau de la gouvernance. On voit aujourd'hui beaucoup d'analystes qui étaient très emballés pour dire, voilà, vraiment, autre chose maintenant, eh bien, c'est qu'ils deviennent plus critiques par rapport à la gouvernance. Qu'est-ce que vous mangez, vous ? Sanjou, Tilé Gelou, les anges, etc. Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui me dérange ? Parce que j'ai été un journaliste qui était vraiment là, chargé à l'époque, quand j'étais au phare, il fallait aller à l'IDPS. Ah oui ? J'étais parmi des jeunes qui ont hâte d'admirer les combats de l'IDPS. Mais Tshisekedi parlait du respect de l'état des droits. Je crois que... Étienne, j'ai comme l'impression que même les gens qui étaient à l'IDPS n'ont pris la portée du combat de Tshisekedi. Le respect des textes. Qu'est-ce que ça veut dire, Tshile Jou? Prenons ça. Oui. Parce qu'on recommence. Moi, j'ai pensé qu'il devait y avoir rupture, mais il n'y a pas tout à l'heure. Vous savez les vrais problèmes du projet Bukangalonzo. Oui. À l'époque, au niveau de l'Assemblée nationale, il y avait des députés qui avaient dénoncé le fait que Quand on engage un projet extra-budgétaire, c'est-à-dire qui n'a pas été prévu dans la loi des finances, on doit avoir l'aval du Parlement. Et ça n'a pas été le cas dans les projets Bukangalonzo. Il y a eu des dérapages. Nous sommes des projets de 100 jours sans l'aval du Parlement. On estime qu'il fallait urgence. Il y a eu des dérapages. Nous avons estimé donc qu'on vous avez peur que Tshile Gelou connaisse la même situation. Il y a déjà des dérapages parce que rien n'est clair. Quelle est la part de l'État et des privés? Elle ne nous dit pas. Mais Israël a dit qu'il n'y appartenait pas public. Oui, comment se sont passations des marchés là-bas? Ça ne se fait pas. Mais plus tard, comme on a un pouvoir, j'ai remarqué que l'IDPS, depuis qu'il est au pouvoir, il n'est responsable de rien. Ça veut dire que tous ceux qui ne marchent pas, ce sont les... Hier, c'était Caméré. Je crois que même Guilindier, qu'on donne aujourd'hui le même pouvoir Caméré, doit s'en méfier. Parce que quand ça va claquer, on va dire que c'est Niémo. Les pauvres. Maintenant, on ne comprend pas, on répète les mêmes erreurs. Il n'y a pas rupture. C'est ce qu'ils ont, l'alternance sans alternative. On répète, vous voyez ce qui vient de se passer au ministère de l'économie. On va demander des comptes au président à la fin. Le président ne prend pas de précautions pour quand même faire quelque chose, pour avoir un bilan quand même à défendre en 2023. Oui, bon, parce que comme les il faut bien faire quelque chose. Ah, il doit faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Je vais donner le scandale qui vient de se passer au ministère de l'économie. Il y a déjà qui veulent. Oui, mais il y a une affaire de 80 millions. Où on soupçonne. Non, c'est ça. C'est-à-dire cette façon. Mais il y a un ministre de l'IDPES. Oui, ministre de l'IDPES. On presse l'État de payer 80 millions aux pétroliers. Cette façon. Quand un ministre fait pression au ministre des Finances, c'est qu'il a des intérêts. Donc il y a 12 millions de rétrocommissions. Il y en a eu dans l'affaire 15 millions, par exemple. Dans cette affaire, on récidive alors qu'on a eu quand même un précédent. Mais pourquoi on récidive dans un pays où l'impunité est érigée en système? Il y a eu l'affaire 15 millions. Oui. Les gens ont réclamé. Toujours au ministère. Oui, non, toujours au ministère. À l'époque, avec Vital Caméré, tout ça, on a parlé qu'il y a eu des problèmes aux commissions de 15 millions. Les cas Piambo fait des bruits. Tout le monde a réclamé un procès. Mais ces dossiers classés. Simplement, selon nos informations, on a estimé que Caméré n'y était pour rien. Certains proches du président qui étaient impliqués dans l'affaire. On a classé les dossiers. Mais maintenant, là, le chef de lui-même va dans un média international, lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe dans son... Il dit, non, écoutez, c'est ce qu'on appelle chez nous COP. Alors,
l'année de l'économie, quoi de tout, le plus normal, de trouver ça normal. C'est 12 millions. 12 millions, c'est combien de routes au Congo? Combien de nos enfants? Il y a quand même 12 millions. Oui, il faut qu'on ait un moment. Vous savez, cette façon de banaliser les finances publiques, cette richesse, cette richesse commune. Si M. Jean-Marie, vous êtes là, c'est que vous gérez l'argent de tous les Congolais. Ce n'est pas l'argent de votre proche ni de votre famille. C'est pourquoi j'ai toujours donné l'exemple d'Emmanuel Valls. Il s'est allé avec ses deux enfants à l'époque pour suivre les matchs de Barcelone. On l'interpelle, il a rendu 1000 euros. Mais aujourd'hui, les gens trouvent quand même normal que les gens sortent 12 millions pour une session extraordinaire. Il y a des gens qui sont prêts à défendre ça. On a vu dernièrement les fils de Tshisekedi. Moi, j'ai tweeté ça. Il y a eu des gens qui... Mais où est le problème? On peut amener son fils quand même. On se pose la question. Il est majeur, il voyage à quelle qualité? S'il travaille dans l'église... Il est conseiller privé du président, il a droit. Mais on doit nous le dire. Mais c'est flou. Non, quand même. C'est conseiller flou. Privé d'un chef d'État, il a quand même droit. On doit nous le dire, on doit communiquer. Nous avions posé la question, on ne nous a pas répondu. Qu'il a voyagé à quelle qualité? On ne sait pas. Mais nous constatons que Macron a remis 2000 euros. Seulement pour ses deux enfants. Ça veut dire que là-bas, on ne blague pas, il y a une opinion publique. On ne blague pas avec l'argent de l'État. Ça doit s'arrêter à un moment donné. Parce que j'ai vu les chefs de l'État à Qatar être émerveillés par l'aéroport. Mais parce que ces gens ont pris les choses au sérieux. Nous, on est pressé rien. On a parlé de l'aéroport de Djili. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'est passé. Quelqu'un qui, quand même, dans les manifestations des leaders PS, qui avait beaucoup d'admiration pour Étienne Tshisekedi, vous êtes un peu radicalisé, là. Un peu, non, je veux dire, c'est un désenchantement, c'est un peu comme l'indépendance. Aujourd'hui, l'alternance du Congo ne ressemble pas à l'indépendance. Vous savez, dans les années 60... Mais vous n'êtes pas ancien, non? Non, ça veut dire que le décor est planté. J'ai dit que le décor est planté, moi, je n'attends plus de miracles. C'est un échec. Moi, je suis de ceux qui parlent, lui. La meilleure façon pour que Tshisekedi sorte dans la grande porte de l'histoire. Ça, c'est mon point de vue, je l'ai dit. Je l'ai dit à certains proches de Tshisekedi, il y a une jurisprudence dans le monde. Il s'appelle Frasson Lante. C'est-à-dire, je n'ai pas mis aux attentes, aux aspirations. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne postule pas pour un second mandat. C'est mon point de vue. Il ne sentira à rien de manigancer. Il a encore 300. Oui, il peut sortir par la grande porte de l'histoire. Moi, je peux voir les sorties. C'est d'imiter François Hollande. Parce que Tshisekedi, c'est vrai, ils ont la victoire politique, ils ont gagné les élections. Ils ont remporté la victoire politique vis-à-vis des... Ils ont les contrôles de l'armée. Mais une victoire politique n'est qu'une victoire si elle s'est concrète sur le plan économique, sur le plan social, sortez de la rue. Il y a ce qu'on appelle les boycotts d'exaspération. Surtout, ça ne va pas. Les indicateurs sont au rouge. Et maintenant, là, ce qui s'est fait ne nous montre pas que ça change. C'est tantôt 12 millions qui sortent, c'est tantôt 5 millions qui sortent. Je n'ai pas de preuves de tout ça. Il y a des preuves. On a sorti 12 millions de dollars. On a des Mbosso. Comment on a sorti 12 millions pour une situation extraordinaire? Pour une urgence, mais j'ai pour l'Assemblée nationale. Pour les nuls en manipulation des chiffres, j'ai pris un exemple. Parce que c'est ça le travail d'un journaliste. Dans les 12 500 000 dollars pour les élections du bureau définitif, tenez, M. Jean-Marie, pour ces élections là-bas, ça ne demande pas des machines à voter, ni des bulletins à importer. Il y a les qui existent là, on utilise des papiers duplicatés. Pourquoi une élection d'un bureau définitif peut coûter 500 000 dollars? Et c'est sorti même sans ventilation claire. On a fait pression à Sélé Yaragouli. On doit s'arrêter. Je crois que si les Belges ont réalisé des choses dans ces pays parce que l'administration coloniale ne coûtait pas cher, mais l'argent, la richesse que nous créons, nous tous, doit profiter à nous tous. Le mandataire, le Congo ne vous appartient pas. Alors, revenons au débat. Pour vous, est-ce que la priorité, c'est l'élection 2023 avec la mise en place de la CENI, ou la priorité, c'est le sujet dont vous parlez, que non, tous les élections, c'est un droit constitutionnel. Ça veut dire que quand vous dirigez, nous avons voté ça au référendum. Ça ne nécessite pas débat. Je crois les soucis d'Israël, mon dos organisé. Mais Israël dit que est-ce qu'il y a une nécessité de le faire. Moi, je suis inquiet. Nico peut bien balancer ses chiffres, mais je lui informe qu'aujourd'hui, rien n'est donné au budget de la CENI. Il n'y a rien, zéro. Ah bon? Ni tout. Mais parce que pour le recensement, on a parlé de 300 millions. Oui, l'ONU n'a pas posé la question. Recensement, même l'ONU, on ne donne pas les moyens. Pour organiser les élections, pour il faut des moyens, on ne donne pas les moyens. Mais je pense que le glissement ne profitera pas à Tshisekedi. Kabila en a souffert, tirer l'élection. Kabila était obligé de partager les pouvoirs avec les Lissanga. Quand vous entrez dans cette phase terrible, alors vous allez partager les pouvoirs parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Qui n'attendent un moment de dialogue pour vous dire que non, personne n'a un mandat. Perte de légitimité. Perte de légitimité, partageons les pouvoirs. Mobutu doit faire. L'IDPS qui était dans ces combats devait tirer les leçons. Je constate que l'IDPS au pouvoir n'a pas tiré. Parce que quand moi j'ai écouté quelqu'un de l'IDPS dire que. Enfin, j'ai traduit en
2023, vous retournez en Goulou. Autrement dit, vous allez vous en prendre à vous-même. On ne sait pas, tout est imprévisible. Il profitera à l'IDPS, l'églissement. L'églissement n'a pas profité à Kabila. Je l'ai toujours dit, j'ai dit à un kabiliste, Kabila avait organisé les élections, il allait peut-être imposer son chadari. Les gens étaient fatigués de marches partout. Vous avez vu qu'un candidat est donc fait d'un président qui a dirigé pendant des années est trième. C'est-à-dire que l'églissement n'a pas profité à Kabila. Il ne profitera pas à Tshisekedi. C'est une erreur politique de penser que l'églissement profite à un président. Alors, Mobutu en a souffert, il est allé à Kaweli. Alors, admettons que si tout se passe bien, la fumée blanche pour dans quelques heures, qu'on a un nouveau Premier ministre qui est déjà... Il y a quelque chose qui m'a un peu gêné dans ce nouveau Premier ministre. Pourquoi il a travaillé avant remise de reprise? Il ne travaille pas, il irait des audiences. Moi, je l'ai appelé. Mais à quel titre? Les il reçoit les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est-à-dire que nous avons un ministre qui n'est que là pour inaugurer les chrysanthèmes. Ce n'est pas un premier ministre. Moi, je l'ai appelé le premier commissaire. Ceux qui connaissent l'histoire politique du Congo, ils savent qu'un premier commissaire d'État ne forme pas les. Mais pourquoi on va le rencontrer, lui, alors qu'il n'a pas fait remise de reprise? Sur base de quel dossier? Non, nous ne comprenons pas. Parce que tout ça, c'est le gage. Parce que le Congo paye deux premiers ministres maintenant. En même temps? En même temps. C'est déjà 45 millions. J'ai appris. Ça coûte, pépé. Non, ça ne peut pas coûter. Non. Par autre même. Parce que même cette histoire de chambre ou de suite. Non, ça peut pas. Je n'ai pas des chiffres. Mais écoutez, vous savez que c'est le Premier ministre qui est chez lui à la mine. J'ai dit, Valza Rémy, 2000 euros. Même un dollar gaspillé comme ça, inutilement, on veut éviter, ça coûte énormément à l'État. J'ai dit, si on a en face de nous d'un premier commissaire. Pourquoi? Pour moi, la sortie du gouvernement, c'est un non-événement. Non, mais quand même. Non, c'est très attendu parce qu'il y a beaucoup de gens qui. J'aurais pu attendre ça s'il y avait un premier ministre qui forme réel gouvernement. Mais c'est ce qu'il a fait. Ah, c'est ce qu'il ne fait pas. Les listes viennent de partout. Il y a une dernière réunion où on a invité le premier ministre. Mais en face, il y avait Kabuya, il y avait Kabound. Non. Lui, mais je vous dis, il est le chef de l'État. Et ça, je détiens ça des sources. C'est-à-dire qu'il y a là, Kabound est d'aujourd'hui. Mais il a invité le premier ministre. Kabound vient avec son quota. Il ne forme pas les gouvernements, M. Jean-Marie. Ne forme pas les gouvernements. C'est la logique Mobutiste qui a l'intérêt de Tshisekedi. Il ne faut pas nommer des gens qui. Pourquoi on a écarté Bahati? Il faut nommer des gens qui n'auront l'air. Qui devront l'air à ce qu'un président. C'est un peu machiavélique, c'est ce qui se passe. Et attendez-vous, dans ces gouvernements, on ne voudra pas des poids lourds. Mais Samy va dire, c'est un poids lourd quand même. Non, pas un poids. Il faut voir s'il sera là. Que tout le monde ne sera pas poids lourd, mais vous allez entendre un gouvernement où il y aura beaucoup d'anonymes. Les grands noms, j'ai appris quoi. Des anonymes, des gens qui ne pèsent pas, des gens qui n'existent pas, seront dans ce gouvernement. Faille, vous avez inoculé votre venin quasiment dans tout le monde. Voilà. Et quand je nous écoute, Eric, j'ai l'impression que le pessimisme a gagné beaucoup d'espace. Hein. Vous savez, Congolais, vous avez. Il faut des séances de délivrance. Délivrance? Oui. C'est l'holisme dans ce pays. Mais comment vous voyez tout au rouge que nous avons un président de l'Union africaine, qui reçoit ici une délégation qui arrive, le nouveau président des États-Unis a envoyé une délégation il y a quelques jours à peine. Il était lui-même à Qatar, où il avait énormément de choses reçues en grande pompe, etc. Ça se montre que le Congo est dans les concerts des nations. Les concerts des nations. Vous pouvez amener ces discours-là à Gambela là-bas, concert des nations. Ça représente quoi? Vous savez combien coûte aujourd'hui une omelette? 700 francs. Mais c'est ponctuel, ça. C'est ponctuel. Oui. Dès qu'on a un nouveau gouvernement, c'est l'action. Il y aura des budgets. Je m'adresse aux Congolais zaïrois. Lorsque non, le régime ici est pire que le régime de la Birmanie. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie. Soyez modéré. Le Congolais zaïrois. En Birmanie, il y a déjà plus de 5 morts. Oui. Donc, je mais chez nous, il n'y a pas autant de morts. Il y a 500 morts. Parce qu'il y a des gens qui demandent à ce que Aung San Suu Kyi soit remise dans ses droits. Je vais continuer avec ma liste. Continuez. Birmanie, Corée du Nord, on ne connaît pas la loi. Mais en Corée du Nord, on ne parle pas comme vous, là. On ne connaît pas la loi. Même à Brazzaville, on ne parle pas comme vous, là. On ne connaît pas la loi. Oui. Vous parlez que non, il est au Qatar. Oui. Union africaine. Vous voulez dire que mon peuple, avec cette misère rouge en couleur qui saute aux yeux, l'Union africaine, à avoir avec le peuple qui souffre ici. Mais le Réunion. Jean-Marie, bon monato, bon monate, savons le coq et 600 francs congolais. Mais avec quel revenu? Oui, 600 francs congolais, un savon le coq.
Mais comment l'acheter? Jean-Marie, moi je suis dans le fait. Un député provincial que vous n'avez pas payé près de 9 mois, il a sa salle, vous avez fermé. Sa femme a un magasin à Zando, vous avez fermé. Et vous êtes venu avec My God, il a placé un peu ce qu'il avait là, vous avez scroqué. Dites-moi, comment va-t-il s'acheter un savon? Ce n'est pas le pouvoir qui a fait tout. Le régime. Ce sont les pratiques mobutiennes. C'est le régime de Néo Mobutu. Vous n'avez pas. Peut-être que vous étiez à l'étranger. Moi, j'étais ici. J'ai un avantage de près de 30 ans dans l'univers politique. Nguma, Bindo, certains présidents sont là-bas. Lorsque mon peuple allait verser l'argent chez My God, on disait ceci. Le régime veut que tout le monde vienne des millionnaires. Kabila, non, je pas dans ce sens. S'il vous plaît. Non, les millionnaires dont parlait le président Tshisekedi. Moi, je ne parle pas. Je ne tenais d'Antoine. Je dis là où, quand mon peuple partait auprès de My God, on l'a ceci. Le régime veut que tout le monde devienne des millionnaires. Kabila ne voulait pas que des gens deviennent des millionnaires. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous? Nous dirons que non, c'est une escroquerie organisée. Vous laissez les gens d'abord escroquer le peuple comme l'argent. Après, vous venez fermer. Sans avoir pris les mesures conservatoires. Si on était innocent, on ferait quoi? On prend d'abord des conservateurs. C'est-à-dire, on saisit d'abord les promoteurs. Après, l'on ferme. Mais vous ne rien saisi, mais vous fermez. À qui est-ce qu'on va les réclamer? N'est-ce pas, est-ce que l'État? Je continue. Je pense que les promoteurs de My God étaient poursuivis en justice. C'est la procédure suit son cours. Comment il s'appelle? Il y a eu... le sujet n'était pas inscrit, donc je n'ai pas tous les noms. Je sais que il y avait des défaillances en matière de supervision, peut-être de d'établissement de crédit. Et je ne sais même pas si c'est un établissement de crédit au vrai sens du mot. Mais la façon dont vous présentez les choses, vous les présentez très mal. Donc c'est ça, vraiment, ça, vous les présentez très mal. C'est-à-dire que, posons les termes d'un sérieux, profond et méthodique. Ça veut dire que, qu'est-ce que le pouvoir peut faire, justement, pour créer les conditions d'un collectif? On appuie sur quel levier? On met en place quelle politique publique? Ça veut dire que sortir des éléments omelette 500 et tout, les gens ont des éléments d'analyse. C'est quoi le panier de la ménagère aujourd'hui? Ça veut dire qu'on part d'où? Donc, le débat n'est pas structuré. Et ensuite, la façon de charger... Que des affaires, l'environnement économique, politique, comme il a été détaillé tout à l'heure, tout ceci ne compte pas à cette dégénérescence. C'est que, finalement, lui, il prend les raccourcis. Parce que les conséquences de... Mais les raccourcis, c'est dangereux, justement. D'un gouvernement qui ne sait jamais depuis... oui, justement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est ça. C'est ça le problème. Nous, notre travail en tant que journaliste, ce n'est pas de prendre des raccourcis. C'est d'être méthodique sur un sujet. On examine les limites des politiques publiques. C'est quelle politique publique? Quelles sont ses limites? On peut faire un lieu. Je suis le premier, moi-même, à être critique sur le gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas réuni pendant autant de mois. C'est une catastrophe. Même si, quand il s'est réunissait, il n'a pas donné, justement, les fruits ou les résultats qu'on attendait de tout ça. Alors, tout est sous contrôle, la monnaie fonctionne. Non, la monnaie, ça veut dire que le plus important... Mais le vrai problème, c'est pas ça. Ça veut dire que, quand on dit que les indicateurs macroéconomiques sont stables, je veux imaginer, parce que, comme je l'ai dit, on doit être méthodique. Le cadre macroéconomique, c'est quoi? C'est comme si vous avez un lopin de terre. Et que ces lopins de terre se trouvent, par exemple, à proximité d'une porcherie, et que souvent, ces porcs quittent leur porcherie pour venir, justement, débroussailler ou bien comment arracher les plantules ou tout ce que vous plantez. Le cadre macroéconomique, c'est quoi? Ça vous mettez une clôture pour que vous vous adonniez à votre culture sans que ça ne soit gêné. Mais est-ce que c'est fait ça chez nous? Quand vous mettez cette clôture-là, ça ne suffit pas. Il faut avoir la bonne semence, il faut avoir la bonne terre, il faut avoir la bonne technique culturelle, il faut avoir une bonne irrigation. Donc ça veut dire que le cadre macroéconomique, c'est un préalable. Voilà. Donc c'est un préalable pour attirer les investissements. Et encore, il faut que nous nous interrogions nous-mêmes en tant que... Est-ce qu'on a un esprit d'entreprise? On a un esprit d'entrepreneuriat. Tout le monde ici se bat pour devenir ministre, pour devenir député. C'est ça le problème.
C'est de la jouissance. Mais où est l'incitation? Parce qu'on a vu alors, à un moment donné que le président lui-même, lorsqu'il a lancé ses premières activités, mais quand c'est qu'il il y a dit, eu des agences, investissements, télécoms. Le vrai problème est là. Quand vous parlez des millionnaires, bon, oui. Que Nico est en train de brocarder avec MyGold, non. C'est des questions sérieuses. Quand Tshisekedi dit, voilà, je vais créer des millionnaires, prenons le président au mot. Il en a créé quoi? Quelle est la politique qu'il a mis en place pour arriver à la création des millionnaires? Quels sont ces Congolais qui ont des compétences, des capacités techniques, des capacités financières qui peuvent s'associer dans tel secteur? Tous les pans de notre économie sont maintenant aux mains des étrangers. Les supermarchés, les banques et tout. D'ailleurs, on voit voilà. Des supermarchés qui voilà. Pullulent de partout. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous empêche, Congolais, justement de faire autant. De faire autant. Pourquoi on n'arrive pas justement à nous-mêmes avoir un capital congolais avec des idées congolaises pour nourrir les Congolais, faire déplacer les Congolais. Mais on a créé donc, un voilà, fonds d'investissement il n'y a pas longtemps, non? Absolument. Et donc, ce fonds, il sert à quoi? Et justement, c'est tout ça que moi je dis que mais par rapport à voilà, ça. Qu'on fasse quand même des analyses. Mais voilà, voilà parce que par rapport à ça. Voilà pourquoi je dis que par rapport à ça. Le deuxième aspect, Israël. La volonté politique pour créer des richesses s'exprime dans les budgets. On sait, voilà, qu'on cite. Mais aujourd'hui, on a dit à Félix Tshisekedi, pendant les consultations, il faut réduire les trains de vie de l'État. Pourquoi voulez-vous les taux d'investissement pour construire les écoles, les hôpitaux et construire une cité de Congolais? C'est 50 millions. Généralement dans nos budgets depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Mais la rémunération du politique, c'est 1 milliard. C'est comme ça que tout le monde, tous les talents, des éminents journalistes, tout le monde va là-bas. Parce qu'il sait que c'est les moyens les plus faciles. Où on peut passer, où des gens, simplement parce qu'ils sont au pouvoir, sont passés d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. C'est-à-dire que quand on est au gouvernement ou dans les institutions, tout le monde va être là. On habite la deux semaines après, on a ma campagne. C'est la volonté politique. Moi, j'ai dit qu'il faut restreindre les vies de l'État. Oui. Mais nous avions estimé qu'il faut donner des signaux forts. C'est là qu'on rebondit sur la MPOI. Oui. Quand vous regardez la pétition des MPOI, regardez, ce n'est pas sérieux du tout. Vous avez des gens qui disent léthargie, qui disent pas de production législative. Mais ils oublient la Covid, on avait fermé l'Assemblée pendant toute la période. Absolument. Et ils savent que quand on a réouvert, 4 mois après, on a dit qu'on ne peut pas faire de meeting ou de réunion de plus de 10 personnes. Ce sont ces mêmes gens qui, dans leur pétition, il n'y a pas de léthargie, pas de production législative. Oui. Était-ce possible de le faire en 2020 avec tout ce qu'on a connu? Et vous comprenez que là, justement, on cherche la petite bête. Quand vous vous grattez, vous voyez que tel a demandé tel poste à être au gouvernement, à diriger la DGRK, tel a demandé tel avantage matériel, une voiture, une... Voilà. Donc, c'est une pétition absolument orientée. Bien sûr. Et les vrais problèmes de l'Assemblée provinciale, je me demande quoi sert aujourd'hui ces assemblées provinciales. Parce qu'ils sont censés plus contrôler leur nerf. Oui. Mais moi, j'ai appris de mes informations. Ces gens ne sont pas serrés. Ils ont un groupe WhatsApp d'Inabi Ngobi. Ils contrôlent plus le président de l'Assemblée provinciale qui est le gouverneur. Mais c'est vrai, un groupe WhatsApp dynamique Ngobi, c'est connu. Mais comment des... Alors, les gens, ils des députés qui sont censés contrôler, c'est ce qui est grave. Parce qu'on reproche à Godin pour une procédure illégale. Il peut être réprochable. Mais nous avons vu au Maral. Moi, j'ai toujours dit que c'est par la tête que les poissons commencent à pourrir. Il y a une procédure illégale. Un député provincial a dénoncé ça. Mais pourquoi il n'y a pas eu une motion contre Ngobi là? Où on a eu au marché, on ne sait pas citer la plus totale. Mais malheureusement, on a vu aussi le président qui oui, le président est parti donner sa qui avait distribué le. Mais c'est que j'ai dit, mais nous sommes, je me suis dit, quand j'ai vu le président, nous sommes là. C'était légal ou pas? Illégal totalement, parce que le président, j'ai dit, le respect des textes, dans ton pays, il y a l'OMP qu'on appelle l'organe de régulation des marchands publics. Oui. S'il y a beaucoup de soumissionnaires, c'est là où il y a. Mais le président dit, non, toi, Hassan, va là-bas. Cette hyper-présidentialisation commence à m'inquiéter. Nous sommes dans un pays des copes ou quoi? C'est extrêmement grave. Hassan n'était pas soumissionnaire. Hassan, elle a perdu la concession qui avait encore de droits sur le marché, sur certains pavillons. Et ainsi, il a un contrat en bonne et due forme qui devait être cassé. Oui, d'accord, mais est-ce qu'il appartenait au président? Non, il n'appartenait pas. Moi, j'ai dit Hassan, en sort, en droit et dans un état de droit, tu as beau être président de la République, mais il y a des actes que tu ne peux pas poser. Par exemple, un président de la République ne peut pas délivrer un mariage en bonne et due forme. Parce que il n'a pas, ce ne sont pas ses prérogatives. Oui. Un président, il réfléchit, il travaille pour, dans les cas de ses prérogatives, de la République. Oui. Est-ce que le président de la République, aujourd'hui, peut aller encore traiter une question du marché de Guémena, peut aller traiter un dossier du marché de Kisangani, un marché de Bouta?
un marché des cas malaisants. Donc, voilà. Dramatique, donc en principe, moi, je pense que ça ne pouvait pas. Le président des Achicomolais m'a appelé. On appelle là au marché. C'est illégal la procédure. Il y a l'ordre qui ne va pas là, mais ce sont des architectes français. Que font-nous des annonces de nos architectes? Souci, il faut protéger la main-d'œuvre locale. Merci beaucoup. Alors, vous avez vos temps. Je me rends compte que Israël, ma région, au finish. Il y a un distinguo entre les sciences politiques et les droits. Les droits, c'est les normes. Qu'est-ce que la loi dit? En sciences politiques, ce qui compte, c'est les solutions aux problèmes de la population. L'objet politique, c'est le pouvoir et le bien-être social. Le mandat est de 5 ans. Conformément à l'article 70, dans le 5 ans, on doit, vous devez remettre l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans le 5 ans, vous devez assurer le bien-être social. Dans 5 ans, si vous avez l'intention d'organiser le référendum, vous devez dans le 5 ans. Dans le 5 ans, si vous voulez avoir le recensement, dans le 5 ans. Mais je me suis en train de me poser la question. Et s'il existe? Mais si, monsieur. S'il existait, on ne dirait pas c'est à quoi on insiste. Vous avez parlé quand du marché. Le marché, moi, je suis en train de poser la question. Je sens qu'on veut charger Ngobila. Mais le marché, ça rentre dans les prérogatives du gouvernement de la ville de Kinshasa. Mais on a vu un ministre tout puissant, n'ayant aucune culture textuelle. Ça mène avec des problèmes. Mais l'ordre public. L'ordre public. L'ordre public a dit tout. Écoutez, mais qui doit remettre l'ordre public? C'est pas le gouverneur. C'est le gouverneur. Ça rentre dans ses prérogatives. Je n'appuie pas, mais nous disons ceci. Pourquoi mon peuple a perdu 5 mois sans avoir presté? Mais comme on avait, l'affaire était déjà prise, on aurait dû commencer à exécuter les travaux. Aujourd'hui, les travaux seraient presque fin prêts. On a perdu près de 5 mois comme ça. Mais parce qu'il y a aussi la commission qui est présidée par Vigier Chimanga pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça. S'il vous plaît, qu'est-ce que la présidence, moi, défenseur de la Constitution, et des autres lois de la République. Je vous donne une constitution d'ailleurs. Vous m'avez dit si. Ne soyez pas non, aussi. Ne soyez pas aussi Kadjimaminou. Non, non, je vais vous offrir une constitution. Promis. Vous l'avez la semaine prochaine, si la constitution vous allez la trouver. Si vous n'êtes pas là, la constitution en liquide peut exister à la vraie émission. Non, pour avoir une gouvernance. Alors, votre constitution. Oui. Comment voulez-vous qu'on crée la présidence de la République, crée une commission pour un marché? Mais pour mettre. Non, mais Nico, le problème, c'est que. Moi, je comprends que tu es dans un camp. Mais le problème, notre tâche en tant que journaliste, c'est de dire que les hommes politiques, parfois, ils vendent de rêves à la population. Mais il est impossible, aujourd'hui, sur une séquence de 5 ans. Aussi. Oui, bien sûr. Parce que l'UDPS, le problème, c'est que l'UDPS était dans une opposition systématique. Elle n'avait jamais salué aucune action de l'ancien régime. Donc, aujourd'hui aussi, elle est prise au piège. Parce que pas de résultat. Mais objectivement, en 5 ans, on ne peut que esquisser, un chemin pour qu'il y ait un collectif. Mais c'est impossible aujourd'hui de quitter. Parce que tu veux le bien-être de la population. Le revenu du Congolais aujourd'hui, c'est moins de $500 par an. Ça veut dire que chaque Congolais a un revenu de $500 par an. Donc pour qu'il y ait un bien-être, il faut d'abord que ce revenu-là moyen de tous les Congolais passe à 100, ne serait-ce qu'à 700, à 1000. Mais aujourd'hui, nous stagnons. Ça veut dire qu'on ne peut pas envisager quoi que ce soit. Israël, mais il faut des réformes. Israël, lesquelles je vous interromps. Oui. Ça veut dire que. Pas, on recule. Ça veut dire que sur le plan économique. On ne s'enlise pas, mais on recule. Sur tous les plans. Je suis. Ça veut dire que. Qu'on entame un débat économico-financier, je vous donne les chiffres. Sur le plan. Vous allez voir qu'on a reculé. On a reculé, c'est vrai. On a reculé, c'est vrai. Vous avez toujours un jeune avec un retard. Non, non. On a reculé. Mais on a reculé quand même, Pablo. L'honnêteté voudrait que. C'est le Covid. Le Covid. Faux. Oh, si. La Banque mondiale, le FMI ont donné les chiffres de croissance. La croissance a été négative. Je crois qu'il y aura de nouveaux chiffres qui vont sortir. La croissance a été négative l'année passée à cause de la Covid. Moi, je suis patron d'entreprise. J'ai des bureaux à Gombe. Les bureaux étaient fermés.
pendant près de 5 mois. Ou c'était la Covid, c'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est-à-dire que j'ai payé, ça veut dire que mes charges, j'ai continué à payer mes loyers. J'avais du personnel, mais entre-temps, j'avais un baisse du chiffre d'affaires. Donc, je sais de quoi je parle. Mais cette année ici, nous sommes en 2021. Je vais payer les impôts de 2020 sur l'activité que j'ai réalisée en 2020. Mais le président nous avait promis des mesures incitatives. Mais non, mais je ne les ai pas vues. Moi, des soutiens. Mais c'est ça que vous dénoncez. Jean-Marie, juste là, je suis toujours interrompu. Ne prenons pas les Covid, c'est le prétexte. Non, parce que le problème a commencé avant Covid. Ça veut dire que nous sommes là. Moi, j'étais là, j'exemple. Les jours où Tshisekedi présente son programme à l'hôtel Béatrice, j'étais là. Même Israël qui en avait la cité, il a dit qu'on a donné des chiffres irréalistes. Tout à fait. Bon, heureusement qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. On a parlé des 80 milliards. Et nous avons dit que ce n'est pas possible. Si c'est au pouvoir, c'est ça le problème, ce n'est pas que Covid. Si c'est qu'il vient au pouvoir, il dit que non. D'abord, on a proposé un budget, on a révi, dit qu'on mette 11 milliards. Qu'on mette 11 milliards. Les spécialistes de l'époque ont pas possible. Les Fonds monétaires internationaux a dit jamais on peut passer de 5 à 10. Vu notre capacité de mobilisation. Oui, d'un accroissement, mais encore qui doublait pour augmenter les budgets, il faut des grandes réformes. Et les réformes, on ne les a pas senties. Avec Covid, c'est-à-dire que c'est ce que nous disons, une alternance sans alternative. C'est-à-dire que l'IDPS aujourd'hui est frottée à la réalité du pouvoir. C'est ce qu'on raconte aux gens. Nous, l'a dit, il y a 15 milliards, il y a 20 milliards. Oui, oui. Quand là, donc, sur les dires de Nzolo, on a voulu... Encore que Nzolo n'est pas vraiment spécialiste dans les manipulations des chiffres. Tout ce qu'il dit là, moi, ce sont des chiffres. La réalité... Non, même, ce ne sont pas des chimères, mais sauf que passer de la réalité... On a posé la question un jour à Mozitou. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, on perd 1 milliard ou 2 milliards. Mais lui, il est dans la gestion du pays. Mais comment Nzolo pas pratiquement dans la gestion 15 du pays milliards. Vous pouvez vendre l'illusion de 15 milliards. Il faut les réaliser. Je dis que l'IDP s'est rattrapé par la réalité du pouvoir. La réalité est différente de celle de l'opposition. Ce n'est pas seulement ici au Congo, même partout dans le monde, surtout en Afrique. Des opposants. Mais Mitterrand s'était rattrapé quand même en 83. Bon, mais c'est une autre réalité. La réalité là-bas est tout autre qu'ici. Parce que là-bas, il y a... En France, Macron, François Hollande, oui. François Hollande avait versé dans la démagogie, mais il n'a pas su même obtenir le deuxième mandat. Lorsque Nicolas Sarkozy donnait des faits réels, la réalité du pouvoir, les gens ne l'avaient pas cru. On a cru au mensonge de Hollande. Et Hollande, vous avez vu la suite. Mais c'est pour ça que nous disons. Vous savez, moi j'ai des régimes actuels doit être condamné avec circonstances aggravantes. Pourquoi non, je le dis avec... S'il vous plaît, Corona est là pour... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les circonstances atténuantes. Oui. On vient de soulever le cas du budget. Lorsqu'on a présenté un budget, quelle a été la réaction de la présidente de la République? C'était sur la base de quoi? On a promis que la RDC deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Oui. Avec un compte de 3 milliards, si vous allez devenir l'Allemagne de l'Afrique, par quel mécanisme? On a reculé Jean-Marie parce que quand nous a laissé avec 5 milliards, on est maintenant à 3 milliards. S'il vous plaît, je vous donne les chiffres. S'il vous plaît, Jean-Marie, dans un débat économico-financier, il faut qu'elle parle. Le régime de Nomo Boutiste, on ne trouvait plus 1 milliard de dollars à la Banque centrale. Aujourd'hui, on est en. Bon, réserve de change. Des réserves de change. Aujourd'hui, on est en combien? Plus ou moins 600 millions. Oui. Est-ce qu'on peut dire. Mais on a travaillé quand même. S'il vous plaît, vous allez travailler avec la réserve de change, mais les autres n'ont pas travaillé avec les réserves de change. S'il vous plaît, le budget. Si, ils ont, si par moment. Le budget. Le budget, on trouve plus ou moins ces 6 milliards. Aujourd'hui, on est à moins de 3 milliards non exécutés. Les impayements. Un sac de riz. Ce sont les indicateurs. Un sac de riz qui coûte 8 000 francs congolais. Aujourd'hui, il est à 43 000 francs congolais. Un sac de farine de maïs semoule qu'on achetait à 22 000 francs. Aujourd'hui, il est à 30 000 congolais. Un sachet de sucre 5 litres. Qu'on achète à 5 500 francs congolais. Aujourd'hui, il est à 11 000 francs congolais. Un sac de braise qui était à 20 000 francs congolais. Aujourd'hui, il est à 45 000. Mais conclusion, c'est quoi? Mais écoutez, on ne sait rien de l'État. Et avec le nouveau gouvernement de Samalo Kondé, on va inverser les tendances. Écoutez, s'il vous plaît. Inverser les tendances. Non. Vous savez que de ce lundi, les différentes ONG, de Lubero, de Butembo, Beni, de ce lundi, ils entament une désobéissance fiscale. Mais pourquoi? L'insécurité. De ce lundi. C'est pas encouragé. Je n'encourage pas. L'État, la prévention d'un État.
l'État, la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous êtes incapable de sécuriser. Et vous voulez qu'on continue les impôts pour en faire quoi? Et les taxes. Mais le problème, ça veut dire que... Je n'appelle pas les impôts, c'est un communiqué qu'ils ont envoyé. Oui, justement, mais le problème, c'est quoi? J'ai pas voulu la constitution. Non, non, mais ça veut dire qu'il faut décourager ça. Pourquoi ça veut dire que... On ne décourage pas, c'est commencer par sécuriser. Non, mais... Qui mène est sacré et il est irremplaçable. Nico, je disais ici sur ce plateau... Au moment où on tue les gens, aucun communiqué de l'État. Pardon, s'il te plaît. Aucun communiqué. Je disais... Qui fait le travail tous les jours. Vous savez ce que les certains activistes se sont décidés. Ils sont décidés. Mais il y a aussi de la manipulation dans tout ça. Il n'y a pas de la manipulation. Vous voulez me dire qu'on ne tue pas les gens tous les jours là-bas? Mais je disais ceci. Quelle manipulation là où il y a mort d'homme? Je disais ceci, Nico. L'État, ça veut dire que... L'État, c'est la puissance au monde. Doté du monopole des contraintes physiques. Mais... J'entends même un président de l'Assemblée nationale qui dirait cette politologue demande aux députés. Écoutez! L'État doit briser la résistance. Mais c'est une question légitime. Non, Nico, ça veut dire que Nico est dans... Extrapolation. Ça veut dire qu'il a idéalisé l'État. C'est comme un enfant pense que son papa... Donc c'est l'État-providence pour lui. Ça veut dire que son papa est le plus fort, son papa est le plus riche. Mm-hmm. Mais quand on grandit, on sait voir justement les faiblesses de l'État. C'est un instrument qui peut être en mauvais état. Et quand vous avez un instrument en mauvais état... Il ne peut pas vous rendre un meilleur service. Il faut réparer l'État. Mais qui répare, qu'il vous rende... qui répare l'État? Justement. Combien de temps? Qui répare l'État? Mais dis-moi, c'est ce que je dis. Oui. Ça prend du temps. Il faut réparer l'État et le mettre en chemin. Regardez, la première puissance de l'Afrique, une des plus de l'Afrique militaire, c'est le Nigeria. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Égypte, qui sont des puissances militaires, il y a le Nigeria. Mais le Nigeria, c'est la première puissance de l'Afrique subsaharienne, mais n'arrive pas à mettre fin à Boko Haram. Et donc, ce qui se passe à l'Est, c'est une situation de guerre asymétrique, de terrorisme. Et je disais ici, et Jean-Marie le sait très bien, que ce n'était pas ce petit monstre qui voyait les gens se faire tuer et les laisser. Non, il nous dit, et j'étais de ça, il disait tout simplement que je fais face à du terrorisme à l'Est. On ne le croyait pas. L'UDP ne l'avait pas cru. Et aujourd'hui, l'UDPS, fait justement au même scepticisme. Moi, quand je dis, il faut faire attention avec la démagogie. Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS est rattrapé. Quand Joseph Kabila leur disait, faites attention avec ce qui passe à l'Est. On disait, non, Kabila est complice. Il est incapable. Donc, c'est pour s'éteindre au pouvoir. Absolument. Vous voyez que ce qui est dit là, avec toute la bonne foi, ce qui est dit, vraiment, je mourrais pour l'Est. Il a fait toutes les déclarations choc. Et j'étais avec lui. Lorsqu'il disait que je venais vivre avec vous. J'étais avec lui, Touri. Il a bravé, il est allé dans des contrées compliquées, des hommes avaient un danger, même pour sa vie. Mmh. Mais il a bravé ces dangers, il est arrivé à Djougou et tout ça. Mais que voulez-vous que Tshisekedi fasse, par exemple? Ah bon? C'est une question que vous me posez. Attends, je me repose. Attendez, qui termine sa pensée. Oui, allez-y. Que voulez-vous que Tshisekedi fasse? Ah bon? Si. En quoi est-il commandant suprême? Attendez. Oui. Que voulez-vous que Tshisekedi fasse? Si les populations de l'Ituri ne cultivent pas la coexistence pacifique, vous avez des communautés qui se regardent en chien de faïence. Les Ndous et les Hema. On dit à ces gens là-bas, à ces populations congolaises, que vous êtes condamnés à vivre en tant que frères. Mais deux communautés qui ne s'entendent pas, il y a une qui est méfiante et tout ça. Il y a autant de villages les Ndous. Autant. Donc si on n'arrive pas à passer l'esprit des peuples, à dire que voilà, mettez-vous ensemble. Un Lendo et un Emma ne vont jamais avoir de problème avec quelqu'un du Bandundu, avec une communauté du Bandundu ou avec une communauté du Kassai. Et vous avez vu d'ailleurs au Kassai, le problème qu'il y a avec 30 cases, 300 maisons brûlées et Bakokaki. Là aussi c'est quoi? On n'a pas de communiqué là-dessus. Là aussi c'est quoi? Vous avez une communauté vous avez une communauté Louba et une communauté Kuba qui s'entraient dessus. Je dis, on a un problème à faire pour pacifier d'abord l'État. Mais où est le rôle de l'État Israël Moutala? Parce l'État, que vous avez l'air d'excuser l'État. Je n'excuse pas l'État. De se compliquer, les communautés ne sont pas ensemble. Moi, je dis, moi, je suis pas. L'État ne fait rien. Moi, je suis pas. Mais on a quand même terminé avec Kamouna Sapou. Moi, je suis pas. On a quand même terminé avec Bundu Congo, quand même. Moi, je suis pas. Les États-Unis sont la superpuissance au monde. Oui. Ils n'ont pas mis fin au terrorisme. Mmh. Ça veut dire que moi, je me dis ceci. On doit améliorer beaucoup de choses. Mais je dis, nous avons une armée d'à peu près 200 000 hommes de troupes. Tout se tient.
Vous avez un budget de 4 milliards de dollars. Vous avez un train de vie des institutions. Je parlais tout à l'heure de réduction du train de vie des institutions. Vous avez 200 000 hommes de troupes, pas bien payés, pas bien casernés, pas bien équipés, pas bien formés. Donc, ces défis-là, réformés, comment vous faites en sorte que vous ayez une armée puissante organisée? C'est tout ça. Je vais vous laisser, je vais vous aider un tout petit peu. Moi, j'ai fait chest ici à Kinshasa. Voilà. Mais l'État dans lequel notre école aujourd'hui. Voilà. Le partenaire sont pas parce qu'on n'arrive même pas à les payer leurs prestations. Il n'y a pas de frais de fondement. Comment voulez-vous qu'on réforme justement? Mais justement, parce comment que on dit que toutes les assemblées menacent d'aller en grève. Mais les trains de vie de l'État ne font que continuer. Les agences. Mais c'est ce que je dis. Oui. Voyez-vous, je dis que l'État lui-même se met en difficulté. Il augmente son train de vie. Alors que les charges quotidiennes, il n'arrive pas à les assumer. Mmh. Et il y a l'effondrement. Vous avez par exemple que les miliciens, par exemple Codeco, plusieurs avaient quitté la brousse pour dire voilà. Ils se sont livrés. Mais l'État n'avait même pas de logistique pour les accueillir, pour les loger, pour les nourrir. C'est toutes ces questions. Et vous voyez-vous avec le banditisme urbain ici, avec les Kounouna. Mais on en pense énormément déjà ça pour les envoyer à Kanyamakassi. Mais il y en a à Kananga aussi. Mais à Kanyamakassi, c'est justement. C'est des problèmes logistiques. Il faut nourrir, il faut les former et tout ça. Mais tant que l'État va continuellement à payer des salaires, des émoluments faramineux aux députés, aux ministres, aux conseillers, à la présidence, on ne s'en sortira pas. Il faut réduire seulement les trains de vie de l'État, il faut réduire les institutions. Il y a plusieurs institutions qui font doublon, il faut couper. Il faut regarder, il faut vraiment, moi je pense, il faut une... Mais dis d'ailleurs que certaines agences, les conseillers, sont un pays jusque-là, parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. C'est un peu inquiétant. Est-ce que l'État existe? Si, monsieur. Les impayements, s'il vous plaît. On parle de bus transco. Mais c'est de la disponibilité aussi. On parle de bus transco. Mais jusque-là, ils ne sont pas payés 7 mois. Et puis, on leur paye au taux de 92. Avec les taux cotés dans 4% à 226. S'il vous plaît. Vous parlez de quel État? Avançons. Ce n'est pas la responsabilité. Il y a des gens que nous avons confié la responsabilité là pour renforcer l'État. C'est qui? Mais c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux-là que nous avons élus. Mais est-ce qu'ils font cet effort? Mais est-ce qu'il y a la discussion? Quand j'attends, oui, mais quand j'attends par exemple, parlons, au lieu de moyens, commençons par des petits exemples. Oui. Une situation se passe ici dans ce pays. Un salaire se retrouve dans un coin, il est tué. On pose la question au vice-premier ministre de l'Intérieur. Oh non, je n'étais pas informé. Nous sommes dans. Mais il a dit la vérité? Oui, mais c'est un État désert. Comment un ambassadeur peut se déplacer comme ça sans que notre ministre ne soit informé, sans recevoir des notes verbales du ministère des Affaires étrangères? C'est-à-dire que nous devons devenir sérieux. Parce que moi, je dis que les Congolais doivent devenir sérieux. Nous sommes faibles. Il ne faut pas toujours chercher les causes à l'intérieur de vous, à l'extérieur. Il faut chercher les. Parce qu'il y a une image qui vient de se passer, je ne sais pas. Je peux être contre Kabila, je dis quoi que ce soit. Moi, en tant que Congolais, ça m'a frustré. Notre président à l'étranger. Même à l'époque de la guerre froide, on n'a jamais vu ça. Quoi? Où Mobutu était au pic de la coopération avec des Américains, qu'un ambassadeur comme ma mère là se retrouve dans un camp militaire avec un église, avec nous. Non, tous. Mais il faisait quoi On se pousse quand même la question. Ça veut dire quoi? Un ambassadeur dans un camp. Avec les généraux. Vous savez, un jour, moi j'étais avec un diplomate. Oui? Il voulait entrer dans un camp. On l'a dit, tu n'entres pas parce que tu es diplomate. C'est-à-dire la sécurité de l'État, c'est nous qui le faisons. Les Américains sont les intérêts, ils ne sont pas des enfants de cœur. Mais ils faisaient quoi avec nos militaires? On ne sait pas trop. Mais qu'on peut se retrouver là. C'est-à-dire, même à l'époque de Mobutu, on n'a jamais vécu ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, quoi, les problèmes de l'ambassadeur de l'Italie. Et ce qui fait Maïtanzé, nous sommes dans un état. Il y a qui est à l'île du Dieu, là. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. C'est vraiment un état désert. Pour construire l'État, ce sont les hommes qui construisent l'État. Ce sont les hommes qui commencent à devenir rigoureux. Ça, on ne peut pas faire ça chez nous. Nous acceptons tout. Et vous voyez, l'État n'existe pas. On ne nous respecte pas. Parce que nous ne respectons pas nous-mêmes. Parce que comment un diplomate peut se retrouver dans des conditions entouré, comme ça? Photographié par les généraux. Mais s'il est notre partenaire privilégié. Les partenaires, ce n'est pas à ce niveau-là. Jean-Marie. En tout cas, un ambassadeur, on a parlé du Nigeria, il n'est pas au Nigeria. On ne sait pas, ça veut dire que nous avons demandé l'appui en tant qu'État de l'États-Unis pour combattre le terrorisme. Et je pense qu'une mission d'Africom est venue ici. Une autre mission au niveau du Pentagone a séjourné ici. Je pense que Mike Hammer est dans cette suite-là. J'ai dit même à l'époque froide, on a payé. J'étais même pendant la guerre froide. Cette histoire, ça veut dire que. C'est pas bon pour nous. Quand l'ambassadeur américain va, par exemple, à la base de Kanyamakassi, il n'y a rien de ça. Pour voir comment est-ce qu'on appuie logistiquement ça. C'est pour recueillir, voir des visus
l'état de Brema et tout ça. Donc moi, je ne vois pas. Écoutez, les Américains, quoi que vous fassiez, ils ont des satellites hyper puissants. Ils le fassent de manière occulte. Non. On ne va pas faire semblant ici. C'est-à-dire qu'un Américain, s'il veut savoir ce qui se passe dans ta base militaire, il va positionner un satellite avec précision à près de 30 cm du sol. Et donc, arrêtons, même moi-même, ici Google Earth, je peux voir l'emplacement d'un camp militaire ou même du palais. Alors, arrêtons de faire l'hypocrisie. Ça veut dire que, faisons quand même confiance à nos généraux. Ça veut dire qu'ils n'ont plus vrai des secrets défense. Ah ça bon veut dire que, mais qui vous a dit? Parce que là, vous dites qu'ils ont dit voilà, là, ça, c'est, voilà. Ils ont discuté. Donc, moi, aujourd'hui, on en a fait. Là, vous êtes défenseur de la bonne cause. Israël est en train de défendre. Moi, je parle de l'image, c'est-à-dire que la coopération militaire. C'est-à-dire que, l'image qu'on projette dans l'opinion. La coopération que Mobutu avait avec les Américains à l'époque de la guerre. C'était plus poussé. J'ai dit au pic, on n'a jamais vu de telles images. C'est une très très belle image. Même si vous êtes en coopération avec les gens, il y a quand même ce qu'on appelle une fierté nationale. C'est ce que nous avons perdu. Quand vous avez un vice-premier ministre qui vous dit, je ne sais pas, je n'étais pas informé qu'un ambassadeur est là. En parlant comme ça, Eric Wemba, qu'est-ce que ce qu'il a fait de bien qui nécessite ou qui peut éveiller votre... Qu'est-ce que Tshisekedi a fait de bien équipé? Moi, je suis plutôt déçu. C'est vraiment la déception. La déception est grave. Mais il a 3 ans encore. J'étais parmi les gens qui ont crié à ce coup du PS. Mais je constate que le mythe IDPS aujourd'hui est en train de tomber. Le mythe IDPS. Et je me demande est-ce que Tshisekedi dit. Parce qu'un jour, quand Abongo nous disait, à l'époque, où Tshisekedi était Premier ministre, il dit non, vous l'appelez Moïse et consort. Moi, j'étais dans ce gouvernement comme ministre de l'Agriculture. Premier ministre, Tshisekedi ne savait pas où commencer. Et ce n'est pas non, ce qu'il... Était quand même non, il ne savait docteur, pas. Ça veut dire... Il était quand non, je même ne dis pas, je ne minimise pas. Ministre de l'Intérieur... Ce qui arrive aujourd'hui à l'IDPS, nous voyons ce qu'Alpha Condé fait de l'autre côté. Oui. C'est-à-dire faire la différence entre la propagande, entre la résistance et les combats et la gestion du pays. Je crois que l'IDPS à ce stade n'a pas été préparé à cela. Comment comprendre, par exemple, vous avez un secrétaire d'un parti au pouvoir, Augustin Kabuya. Oui. Parlons même du gouvernement. J'ai été excusé. Il appelle à un meeting. Il dit exactement ceci. Gouvernement Oyango et Lingigo, ceux qui seront là, c'est ceux qui ont contribué financièrement au parti. Voilà ici même l'exemple du ministre des Hydrocarbures. Après ça, il y a moins l'eau qu'au Totonga qui parti. C'est-à-dire que même au pouvoir, la base. Mais où est le mal dans ça? Le mal dans ça. C'est la contribution d'un ministre. C'est-à-dire que les ministres ne sont pas jugés, non pas par rapport à leurs compétences, par rapport à l'intérêt. Par rapport à la contribution financière dans le parti. S'il faut être dans votre logique, même Eteni Longondo, là-bas pris pour bon exemple, mais ici il est cité dans les GF. Donc même s'il est détourné, pour autant qu'il contribue au parti, il doit rester. C'est dramatique. Alors posez la question à Alice. C'est comme ça que moi j'ai dit que là où Kabila ne nous a pas rendu service, c'est le fait de supprimer aussi les détours. Le fait de ne pas avoir un débat contradictoire. C'est-à-dire le peuple congolais devait savoir quand même. Parce que quand on veut devenir président à un moment donné au Sénégal, on vous dit qu'est-ce que vous pensez de la situation à Casamance. Est-ce qu'on n'a jamais posé la question de l'IDPS lui-même comme parti politique pense aux, pensez de la situation. A... De... Oui. Parce que Mélenchon, quand vous lui parlez, il a une idée. Voilà ce que nous avons fait pour le terrorisme. Le détour ne va résoudre aucun problème. Non, j'ai dit quand même. Il va résoudre aucun problème. C'est le débat. Parce que non, ce débat. Mais les opposants faisaient beaucoup d'émissions aussi. Entre Jean-Pierre Bemba et Kabila, ce débat n'a pas eu lieu. Donc, je plaide vivement. Je dis pas que le retour du débat. C'est une panacée, c'est quand même important. Quand même, mais si vous voulez devenir président, qu'est-ce que vous allez faire à l'Est? Il y a la guerre à l'Est. Quelle est la vision des pays? C'est ce qu'on ne dit pas. Augustin ne donne même pas la position de son parti par rapport à ce qui se passe alors qu'ils sont au pouvoir. Pour lui, non. Yaya Kopé Sangamouéloko. Et vous trouvez ça normal, c'est un exemple. C'est on va dramatique. Dire de... C'est exactement dramatique. Et le gouvernement déjà est composé sur une base de l'extorsion. Parce que j'ai entendu qu'il y a des pas gens... Pas forcément. J'entends. Je suis dans les couloirs du palais du peuple. Il y a des gens des commissions. Il faut donner autant pour un poste. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ça, c'est chuchote. Et c'est très grave. Parce que je vois, vous êtes dubitatif. Oui, ça me... Si au niveau... Ça m'intrigue un tout petit peu. Au niveau du gouvernement, oui. Vous vous en doutez. Mais au niveau des combattants qui sont sous les arbres, qui se partagent un sachet d'eau de 100 francs, à qui l'on demande 7 francs congolais. Non, on ne demande s'il rien. Vous plaît, s'il vous plaît. On ne demande rien aux combattants. S'il vous plaît, non, je non, vous dis, non, je non, vous donne... Ne prends pas la s'il défense. Mais prenez, défense écoutez, mais... vous parlez à un procureur général. Les combattants, on ne s'il vous plaît. Oui. Il y a plusieurs mensonges. Les cartes ont été déjà été juste là, les cartes du parti. Oui, mais là, Tshisekedi avait sanctionné. S'il vous plaît. L'ancien secrétaire général a été même... Il y a un certain Bopé qui habite dans la parcelle de Duc, qui a pris 20 dollars à chacun au motif qu'ils seront engagés à la cité de l'Union africaine jusque là.
Récemment, au mois de décembre, on a pris 7 000 francs congolais, capture, 5 000 francs photo, 10 000 francs fiches. Pour faire quoi? 50 000 francs. Mais à quel titre? Qu'ils seront engagés à la deuxième. Non. Je vous dis, écoutez, s'il vous plaît. C'est pas l'initiative de l'IDPS quand même. Écoutez, peut-être vous n'êtes pas là. C'est une initiative commune entre les deux parties. IDPS Tshisekedi et IDPS Kibas. Dit. Qui fait ça, c'est. La suite, c'est quoi? La suite, c'est oui, les gens ne sont pas engagés. Mais l'argent est parti. On va vérifier. Non, mais moi, j'ai de bonnes relations avec Augustin Kabouya. J'allais même conclure avec Augustin Kabouya. Oui. Il a dit aussi, exactement. Au lieu de nous donner la vision du parti au pouvoir par rapport à la richesse et de l'emploi, qu'est-ce qu'il dit, Augustin Kabouya? C'est ce qui est même grave. Je ne vais pas entrer au gouvernement. Je resterai ici jusqu'à ce que tous les combattants seront casés dans les cabinets politiques. Mais même dans les gouvernements passés. Pas seulement. Donc, si on reproche à Kakonde parce qu'il y avait des partis, ça ne résout pas les problèmes des Congolais. On peut mettre les gens dans les cabinets. Mais où est le mal parti du pouvoir puisse aussi récompenser un parti au pouvoir n'est pas certains comme de ses militants. Un parti au pouvoir, sa vision, comment il va créer l'emploi pour tous les Congolais. Vous n'êtes pas là seulement pour servir vos combattants, ils sont là. Ils ne doivent pas être là comme Israël a dit, la récompense, la fidélité, pression le bénéfice, même pourquoi si on n'a pas bat, la compétence. Pourquoi on se bat? On se bat pour un Congo, pour nous tous, pour que la nationale que nous produisons, nous tous, nous profite à nous tous. C'est ce que Mitterrand a dit à Giscard d'État. Répondez à la question. J'ai dit quand même... Jean-Marie, Joe Biden, même pas 100 jours. Le président américain, oui. N'a même pas 100 jours. Oui, alors il est venu avec deux promesses. Produire 200 millions de doses de vaccins dans moins de 5 ans. Mais ils sont riches. Que je finisse. Que je pas comparer ce qui n'est pas comparable. Que je finisse. Mais quand on est les arbres, on n'avait jamais reconnu qu'on n'a pas l'argent. Où sont les milliards que l'on voit? Parce qu'on dit qu'il y a des milliards qu'on volait. C'est supposé maintenant qu'on ne compte plus. Et alors, le peuple doit voir ça. Mais il y a encore des gens. Jean-Marie. Des voleurs, il y en a encore. Jean-Marie. D'où l'IGF? Vous voyez dans, d'où l'IGF? Dans quel état se trouvent les routes de la ville de Kinshasa? Avec Chilejiru, ça va aller. Chilejiru, c'est 25 millions en Bojimaï. Mais ici à Kinshasa, Nyangwe. Mouchi. Mais non, Chilejiru, ce n'est pas Kaoko Kassai. C'est qui nous a commencé? Ça commence d'ailleurs. Les budgets, ça commence. Parce que moi, j'ai dit que c'était mal. Je crois que c'est pour 40, je ne sais pas très bien, je crois 40 kilomètres. Mouchimaï, c'est 25 kilomètres. De voirie. De voirie, pas les. Moi, je parle de 25 minutes de Mouchimaï. De voirie urbaine. Mais ici. C'est un projet de 200 millions. Je ne suis pas dans la fugie. Néanmoins, on a déjà lancé. S'il vous plaît. Le président a lancé ici. Moi, j'ai dit, quand nous tenons sur. Mais quand on dit, ça veut dire que. Quand j'ai fini, vous me parlez trop de minutes, ça y est. Allez-y. Non, tu sais, tu as fait déjà presque un monologue de 15 minutes au début. Non, non, c'est au début de l'émission, j'ai fait un monologue de 15 minutes. Allez-y, 3 minutes. Ça fait normal. Il termine, j'ai eu l'air. C'est ce que. Oui. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Si vous allez à Kinshasa, vous circulez à Kinshasa. Mais Ngobila, il a fait quelques travaux quand même dans la ville. Moi, je vous donne les avenues. Allez-y. Popaka, Amadongé. Avenue Victoire. Avenue Ikelema. Avenue Mwenza. Bongolo. Boussoudjano. Mouchi. Nyangwe. Lembelembe. Oui, d'accord, oui. Mais... Vous ne pouvez pas sûr. Mais je l'ai lancé. Un peu de patience. Mais encore une fois, comme je le dis, un peu de patience. La façon de poser le problème, ce n'est pas la façon appropriée. Ça veut dire que vous prenez des avenues de manière isolée. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une émission. Ça veut dire que voilà, la voirie urbaine. Mais il faut commencer. Non, ce n'est pas bon comme ça. Ça veut dire que voilà pourquoi je dis que cette émission a un caractère pédagogique. Quelle est notre politique en matière de voirie urbaine? Quelle est notre politique en matière d'infrastructure? Quels sont les budgets? Jean-Marie Kassamba a fait une très belle réunion avec le conseil du président de la République en matière d'infrastructure. Un tableau général. Regardez maintenant les moyens de financement, comment on les mobilise, ça coûte combien, après on commence comment, selon quel échéancier. Là, je suis d'accord avec l'UDPS et quoi. Moi, je ne crois pas que l'UDPS va résoudre les problèmes de la RDC. Mais ce que je reproche au leadership actuel, c'est le cap. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une ligne directrice de la gouvernance qui nous dit, voilà, on va de l'état A vers l'état B. La situation des infrastructures, on l'a trouvée dans cet état. Voilà ma stratégie. Il n'y a aucune vision. Et c'est là que j'attends le nouveau gouvernement avec Sama. Est-ce qu'ils vont changer de méthode? C'est là qu'on les attend. Parce que moi, je peux te balancer. Le président disait que c'est un gouvernement, c'est pour ça qu'il a arrêté le conseil des ministres, n'allait pas dans le sens des soukikus. Maintenant, avec Sama, il va dire quelque chose et Sama va suivre. Oui, et là, on va tomber dans mais encore la une fois, scénique de si l'UDPS n'a pas à faire ce que Kabila avait fait,
avec les contrats chinois. Oui. Ça veut dire une mobilisation dans un temps de 9 milliards de dollars. Mmh. Après révision avec le FMI, on est retombé à 6 milliards. Oui. Mais on avait entamé les tambours. On avait dit quand même, ça veut dire que l'ère de la guerre, justement, c'est liquidité. Les finances. C'est pas si au Qatar, les assurances, où il peut mobiliser, par exemple, 1 milliard, ça veut dire pour les infrastructures routières, c'est pour ça. Donc, il faut une grosse enveloppe. Alors, vous êtes économiste, parce que pour moi, c'est ça le problème. Dites-nous un tout petit peu, éclaire la langue, puisqu'on est déjà dans l'objectif, là, en termes de priorité. Qu'est-ce qu'on a gagné au Qatar? Parce qu'on a su que le MOU, là, avec les Américains, avec les Belges, pour la défense, on a signé même avec... voilà, maintenant avec... Mais si au papier, on a quoi? Non, on a rien. Pour les comptes du Trésor. Jusque-là, on n'a rien. C'est pourquoi, des... pourquoi on est content? Jusque-là, ouais, voilà, je ne sais pas, moi aussi, voilà, j'ai lu... En Égypte, on a aussi. Oui, en Égypte, on a signé. Oui, en Égypte, c'est des projets concrets. On a signé pour, mais à peu près pour, 500, comptes, on a combien? Pour à peu près 500 millions de dollars, oui. Garantis par un mécanisme financier du FPI. Là, c'est du concret. Mais c'est en quand? Égypte, c'est le décaissement, c'est quand? Non, les dégâts ont commencé. Il y a déjà les travaux ont déjà commencé, notamment le port de Ndomba au Kassai. Si, si, là, du concret, le projet en Égypte. Mais même encore une fois, ça fait dire qu'à peu près 500 millions. On a 6 provinces. Les défis sont immenses, comme je le dis. Ça veut dire que si vous regardez tous les secteurs, santé, éducation, énergie, électricité, énergie, eau, vous regardez habitat, vous regardez réforme de l'armée, la fonction publique, amélioration de salaire. On n'est pas tout ça, regardez tout ça. C'est des problèmes, il faut les analyser sur le plan macroéconomique. Oui. Ça veut dire que là, c'est ça la question. On ne peut pas, il faut partir du lac selon lequel alors, que notre budget national oui. ne va résoudre aucun problème de manière générale. Donc, il faut financer tous les grands projets structurants avec du PPP, partenariat public-privé, ou du BOT. Voilà. Mais là, il faut Eric vraiment... Bouemba, la priorité de Sam Alokonde, Ça serait, comme on est en train de s'agiter avec la CENI aujourd'hui, on dit voilà, moi j'écoutais Ambosso dire, ou même le porte-parole de Ambongo, désormais tous les candidats à la CENI peuvent aller dans les églises respectives, porter des candidatures, enfin déposer des candidatures, et on va faire ces réformes assez rapidement, et puis on va être instruit avec ses amis pour travailler sur les mesures urgentes, etc. La priorité pour vous c'est quoi? Est-ce qu'on doit à tout prix trouver le remplaçant des Nanga, hein. Deuxièmement, est-ce que la priorité pour vous, c'est qu'on travaille sur la réduction des trains de vie de l'État, en même temps, payer les impayements, enfin, en finir avec les impayements de Nicofa et... Je vais quand même glisser un mot sur l'État. Je ne sais pas comment travaillent les collèges diplomatiques du chef de l'État. En principe, oui, il est diplomatique dans la géostratégie. Qu'est-ce qui vous gêne en Qatar? À Qatar, on arrive, j'ai vu les chefs de l'État à l'aéroport. Oui. Et dans l'inertie collective, on sent qu'il est bon, on va aussi importer ça ici. Parce que quand j'ai vu les chefs de l'État, mais j'ai fait le mal à l'opinion publique, ce que vous avez vu là à Qatar, ça a été coupé par les Occidentaux. C'est bouic. Oui, d'accord, mais. C'est-à-dire oui. que qu'est-ce qui vous gêne? Il rêvait trop que Qatar, aucun peuple ne peut sauver notre peuple. Il ne faut pas trop rêver qu'il va nous prendre les Qatariotes, si je ne sais pas, vont vous donner les Qataris. Non, il ne faut pas trop rêver. C'est-à-dire notre saline viendra de notre propre Syrie. Et les autres. On n'a pas même amené, vous allez continuer, mais on n'a pas même amené notre ministre de la coopération. Le Qatar, le gouverneur de la Banque centrale. 500 milliards de fonds souverains, ça veut dire les capitaux, il y en a au Qatar. Non, ça veut dire... On peut chercher, même Bouygues, c'est vrai que. Mais Bouygues s'est associé à des sociétés. Oui, c'est-à-dire, place. Oui, ils sont partis, et même ils sont allés chercher mais les génies. Mais pourquoi on a signé ces génies? Bon, très clair, on doit nous les dire clairement qu'est-ce que ça il y a dans l'intérêt de ces contrats-là. Parce qu'il y a quand même il y a aussi des soupçons. Sur papier, on a... Entre-temps, moi, je ne dis pas que c'est vrai, mais il y a une guerre. Qatar, vous savez, il est soupçonné de soutenir Daesh et Al-Qaïda. Ce qu'il est fait, oui, moi, on je dis... Pas mélanger aussi. Je ne mélange pas, mais c'est un problème réel. C'est un État, parce que même s'il coopère avec Qatar, mais à chaque fois qu'un dirigeant il va là-bas, il y a des critiques, il n'y a pas des droits de l'homme là-bas. Mais pourquoi on n'a pas amené notre ministre de la coopération, gouverneur de la Banque centrale c'était volontaire. Bon, je ne sais pas trop, c'est un gouvernement démissionnaire. Là n'est pas le problème. Mais c'est les affaires étrangères, c'est démissionnaire aussi. Celle qui a signé, là, elle est démissionnaire. Je crois qu'il revient de rendre compte au peuple qu'est-ce que nous profiterons de cette coopération. On doit rendre. J'ai vu quand même les contrats chinois amenés au Parlement. Et nous devons il y a eu beaucoup de débats, d'ailleurs. Il y a eu un débat. Jusque-là, un MOU, ce n'est pas un contrat. Memorandum of Understanding, ça veut dire que ce sont des intentions. Un contrat de principe, des intentions. On pose des intentions.
qui seront finalisées maintenant par des contrats qui vont. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas faire le procès. J'ai dit l'opinion a le droit de savoir quand même qu'est-ce que les chefs de l'État est allé faire. Non, c'était. Quel voyage nous profite? Moi, j'ai donné l'exemple du contrat chinois. Je ne dis pas exactement qu'on doit faire la même chose. Prendre compte. Parce que les gens rêvent que l'aéroport de Qatar va venir ici. Non, c'est... Vous c'est avez une non, fixation sur la... Mais répondez quand même à la question. Doit savoir. Priorité. Priorité pour Sam. Pour Sam. Et moi, je ne sais pas. Parce que élection moi, ou pas au non, les élections doivent se tenir. Doivent se tenir. Mais moi, ce que Mboso a mis un peu la charrue devant le bœuf. Il est allé vite. Bon, c'est quoi la procédure pour vous? La procédure pour nous, parce qu'il y a une marche ici. Je crois au mois de juin. Tout le monde était dans la... Oui, on a désigné Malondo. Oui, oui. Tout le monde a réclamé des réformes. Il y a un groupe qu'on a appelé G13, que je considère même que l'embryon de l'Union sacrée. Ils ont appelé à des grandes réformes. Le Pondo, c'est oui, Sanga, c'est le plan électoral économique. Des réformes d'abord. Mais aujourd'hui, on a l'avantage, on a déjà... Il semble avoir parlé sur des réformes. Hein. Il faut des réformes. Aujourd'hui, je suis content que quand les pères rejoignent les camps des réformes. J'ai vu Cambéra dire qu'il faut des réformes. C'est une bonne chose. Cambéra aussi Cambéra. J'ai parlé de Cambéra qui a parlé des réformes. Oui. Pourquoi il faut des réformes? Parce qu'il faut reconnaître que dans ces colonies, trois cycles électoraux. Trois cycles électoraux. Il y a eu des élections en 2006 où les résultats ont été proclamés pour être. Oui, mais là on n'est pas d'accord avec vous. Quoi. Mais pourquoi on oppose justement le renouvellement justement de l'équipe de la CEDEAO. J'arrive, les réformes. C'est comme si, en nommant une nouvelle équipe, on s'opposerait aux réformes. Non, ça ne s'oppose pas. Parce que le délai des autres, on ne connaît pas. Malouma l'a proclamé les résultats dans un char. Bemba, moi, il y a eu la guerre ici à Kinshasa. Il y a eu des élections en 2011. Moi, j'étais alimenté au président. Mais en quoi ça vous gêne alors? Les gens ont prêté serment. Il y a eu des élections, surtout en 2018. Oui. Il faut dire que c'est un secret des poulchinelles où, avant même la fin des dépouillements, on a publié des résultats. Oui. Le président de la CENI a eu un pouvoir tel qu'on pense qu'il fabrique des résultats. Or, la CENI n'est qu'elle a constaté. Il y a eu des élections au Sénégal où nous avons vu ma loi de féliciter Macky Sall avant même la publication des résultats. On a laissé les médias faire leur travail. Qu'est-ce ici, les médias ne donnent même pas les termes. Mais quand c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Les gens pensent qu'il faut politiser la CENI. Ce sont des propositions. Il faut réduire les pouvoirs du président de la CENI. Pas un abus un peu. Ils considèrent comme s'il faut donc, des réformes. Donc, il faut des réformes. C'est-à-dire la priorité. Parce qu'Israël dit pourquoi on ne doit pas choisir. Pourquoi on choisit? Vous pensez que nous, on a une CENI où le président sera désigné en fonction de l'ancienne loi? Parce que la procédure qui s'est faite. Mais on dit que le vice-président serait du parti majoritaire. C'est qui sera le parti majoritaire? Mais si les réformes, si la loi Lutundu, là, qui est déjà en gestation, reste même la manière de désigner le président cause. Nous devons revoir. Mais où est le problème? Parce que si vraiment on veut aller en procédure d'urgence, on peut dans deux ou trois semaines. Adopter la réforme. Mais tu sais qu'on n'ira pas dans cette procédure d'urgence. Tu le sais très bien. Mais tu sais très bien qu'on n'ira pas là-bas. Mais parce que les réformes, c'est très complexe. Parce que, parce que d'abord, tout le monde n'est pas d'accord sur la nature des réformes. Oui. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui. Quand on parle de dépolitisation, tu as vu il y a la loi Lutundu là. On va en débattre. Elle est là. La loi Lutundu là. Mais la loi Lutundu là, tu penses elle a suivi toutes les procédures. S'il te plaît. J'ai compris. Mais je pense que la loi Lutundu là, Fayoul est d'accord avec la loi Lutundu. Je pense que Fayoul est d'accord avec la loi Lutundu. Vu les propositions de réforme de Fayoul, elles sont vastes. Ça veut dire qu'il a chamboulé. Mais voyez-vous. Cambéré aussi veut. Oui, vous avez le PPRD. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, nous, on dit c'est simple. Il faut faire les choses de manière méthodique. Ça veut dire qu'il y a une loi qui dit, qui organise les élections aujourd'hui. Et cette loi dit. On applique d'abord ces lois. On applique ça. C'est-à-dire que quand vous nommez des gens aujourd'hui, vous. Mais pourquoi on avait refusé avec Malonda et on veut faire la même chose? Non, avec Malonda, parce que la pure était cavalière. Ça veut dire que les. En quoi celle-ci est différente de la Malonda? Parce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, les confessions religieuses qui avaient contesté la régulation de Malonda disent que nous sommes prêts justement à nous réunir et à voilà. C'est ça le problème. Mais Jean-Marie, voilà. Je vais dire. Donc moi, je ne vois pas pourquoi. Moi, j'ai dit qu'il y a un piège politique dans Mboso. C'est-à-dire. J'aime bien les politiques. Parce que lui, il est dans le Nord. Il y a un piège dans la démarche Mboso que moi. Parce que l'IDP, ça fait deux ballons d'essai. Oui. Les premiers ballons d'essai, c'est les recensements avec l'identification. Il y a eu un tollé ici. Deuxième ballon d'essai, c'était Wakenda. Se cache quelque part, il dit qu'il faut remettre les comptes à zéro. Valider. C'est-à-dire que nous devons créer le mandat commence avec le gouvernement Sama. Il y a la logique de la conservation du pouvoir. Je pense que Tshisekedi veut fabriquer son Moïmoulunda, qui comme un kamikaze va nous amener un coup de force électorale. Et ça commence comme ça. C'est pourquoi nous voulons des réformes. Les règles des jeux doivent être claires. Non, c'est Jean-Marie, tu sais, cette question, j'aimerais d'abord parce que, non, ça veut dire que ça, c'est des procès d'intention. Vous pensez vraiment que
Tshisekedi peut manipuler puissante Senko? C'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, voilà, il n'y a personne qui a payé le loup aussi de ce processus démocratique que les abbés. Ce sont les abbés qui ont décrit la vie. Ce sont eux-mêmes qui disent, voilà, nous sommes prêts, avec la loi actuelle, de désigner un worship. Quitte à ce que les réformes viennent après. Au-delà des problèmes, il y a un piège. Parce que quand vous voyez la fonction du président de la CENI, il n'y a pas qu'élection. Hein. Il y a des trucs bizarres parce que nous demandons les rapports. Mmh. Tout le monde veut être là parce que c'est aussi un business. Mmh. Il y a des marchés là-bas. Oui, il y a des marchés et chacun. Mais nous, on est qu'un être humain qui voudrait, par exemple, quelqu'un de là, non seulement pour les élections, il y a les business. C'est pas le peuple fait les élections. Nico Faye, Nico Faye. C'est la CENCO. Personnellement, oui. Le débat des réformes ne peut pas se tenir sous les arbres. Qui peut apporter les réformes? C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Oui. Pourquoi on doit perdre le temps sur les réformes? Si on estime qu'il y a une réforme, ce sont les députés qui doivent voter ou pas. Ça ne doit pas concerner un débat au niveau de la population. En plus, c'est une bouffonnerie. À chaque cycle, on apporte toujours les réformes. Et au finish, ce sont toujours les mêmes résultats, les contestations. Aux États-Unis d'Amérique. Mais encore, vous êtes Mbosso, c'est Kadhi Mbosso. Qu'est-ce qui vous dérange? Écoutez, Mbosso, d'abord, c'est un produit de la fraude. Oh non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a été élu par la majorité des députés. Non, la fraude peut commencer en amont, le reste est gâché. Avez-vous des dans un État, vous êtes président du bureau provisoire. Vous-même, ces bureaux provisoires. Qui a mais c'est interdit où? S'il vous plaît, non. Il y a la jurisprudence, s'il vous plaît. C'est pas tout ça. Donnez-moi les textes qui l'interdit. Non. Il y a aussi la morale, l'éthique, l'élégance. Vous organisez vous-même, vous êtes juge et parti. Comment serez-vous impartial? Les élections étaient transparentes. Comment vous pouvez être... compter les voix? Comment vous pouvez être, comment vous pouvez être impartial? Les élections n'étaient pas impartiales. Moi, le fait que Mbosso postule lui-même pas un problème. Il était candidat unique aussi. Non, mais le fait que Mbosso a mis une commission dirigée par son directeur de cabinet pour éliminer de manière illégale les autres candidats. Mm. On a dit à Kimbunda, pourquoi on l'élimine? Parce que tu n'es pas porté par une plateforme. Mm. Mais ils ont oublié qu'ils sont allés à la Cour constitutionnelle. Pour les plateformes, ils ont dit non, les députés pouvaient eux-mêmes céder de leur plateforme. Les députés sont indépendants pour adhérer à l'Union sacrée, mais ils ne sont pas indépendants pour... C'est là où il y a eu la fraude. La fraude aussi, c'est quoi? Quand Mbosso prend 5 millions de l'État, Dollars. Oui, des dollars. Et nous l'avons entendu, il dit non, allez, avant ça, la campagne, quand on utilise l'argent de la campagne pour son élection, c'est là qu'il y a problème. Allez, dans les Maboko Bank, vous aurez non seulement les émoluments et les compléments. Je ne sais pas si c'est les compléments. C'est-à-dire la personnalité de Mbosso. Non, s'il vous plaît. Quand il est dans une procédure de choisir un président, il faut faire attention. Il y a un calcul politique. Il faut contrôler la CENI. Shadar Israël. C'est lui qui gagne les élections, c'est lui qui contrôle la CENI et la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, Tshisekedi comprend. Preuve, il a gagné les élections. Tshisekedi contrôle la Cour constitutionnelle parce qu'il a pris les droits là-bas. Il veut à tout prix la CENI par les chefs de son président. Mais vous vous contredisez. Vous avez parce que ça a dit ça. Oui. Alors, à l'époque, il contrôlait et la CENI et la Cour. Vous avez tendance à me ravir la parole. Les a-t-il gagné? Je redonne la parole à nos guionnais. Vous savez qu'il y a un problème qui va se poser. À quel niveau? Je n'aimerais pas en faire un problème. Moi, j'estime, s'il faut qu'on apporte des réformes, il apparaît au Parlement de le faire. Mm-hmm. Mais, il faut mobiliser les moyens. Mais, question aussi de... Que vous connaissez des réformes ou pas, mais si vous n'alignez pas les témoins, tous ceux qui parlent ici... Ça, c'est la logistique, ça. S'il vous plaît. C'est vraiment important. Ça fait seulement maintenant. Oui? 2018, 2011, 2006. Qui a aligné le C'est une question de moyens aussi. Même s'il y a des lois qui disent qui sont... On peut taper les témoins. Mais c'est ça que nous disons. Oui. Qu'on ne perde pas le temps de verbiage des réformes. À ce stade, l'État doit chercher le moyen pour financer la CENI. Et l'État, entre-temps, doit aussi s'occuper de la population. D'ici, les deux problèmes, c'est quoi? Là, ces personnes aient de l'air bien et la situation économico-socio-financière est où? Voici le débat. Vous voulez qu'aujourd'hui, qu'on consacre tout le temps dans les réformes. Moi et vous, nous n'allons pas tabler sur les réformes.
que Fayoulou ait sa position, oui. Que moi j'ai ma proposition, ce sont les députés qui vont établir. Mais entre-temps, que faire par rapport à la population? Voici le problème sur lequel nous... Vous conseillez quoi, Sama? Sama. Oui. Élection ou sociale du Congolais? S'il accepte, il est dans l'obligation de résoudre tous les problèmes de la population. En même temps? En même temps, simultanément. Mais s'il ne faut pas faire de hiérarchie. S'il n'y a pas hiérarchie de moyens, c'est-à-dire on appellera cet échec prison. Même les Américains ont des problèmes. Ils dorment par terre en Californie. Là, vous évoquez les Américains. Mais quand les Américains eux-mêmes payent les gens pendant la période de Covid, là, vous ne l'évoquez pas. Mais ça, ce que les Américains ont payé les gens pour ça Covid. Ça veut dire que... Les loyers... Voilà pourquoi je suis en train de dire que... Les arriérés de loyers que tous les commerçants ont... Toutes les maisons commerciales de la Gombe. Si on était dans un État... L'État trouverait, moi on m'a arrêté par l'État congolais. Parce que j'organisais, il fallait que l'État arrive à trouver des solutions. C'est un conflit latent. Quelqu'un qui paye un loyer de 10 000 dollars, 5 mois il n'a pas donné, 5 ans il n'a, on n'a pas de loyer. Mais il faut mettre au crédit du gouvernement. Il faut mettre au crédit du gouvernement. 5 ans plus tard. Mais il faut mettre. Conflit-là. Qui va le résoudre? Or, si on avait un État, oui, mais l'État trouverait déjà des solutions. Non, il y a eu quand même. Vous êtes ailleurs. Vous êtes dans le pillage de la réserve. Mais il faut mettre. C'est dans l'évaluation de la banque. C'est ce qui vous intéresse. Il faut mettre au crédit de l'État que la santé publique n'a pas de prix face à un ennemi qu'on ne connaissait pas, qu'on ne maîtrisait pas. Et donc, c'était des mesures de précaution. Et tout à fait. Il faut quand même... Les États-Unis ont payé. Je vous dis absolument. Il y a même le chômage partiel. Absolument. Donc, mais aujourd'hui, on n'est même pas encore en État. On ne connaît même pas les nombres. Mais qui doit le faire? Mais c'est jamais arrivé pour dernière fois. Les Béninois, oui. Ils ont dit face à notre économie, le problème ici, notre péché, oui. C'est limité. Félix Tshisekedi a voulu être un peu comme Macron. Il a dit non, on prend des mesures, restez dans vos maisons. Mais il y a des pays africains qui ont révisé ça. C'est-à-dire, est-ce que notre. Mais aujourd'hui, la transparence, on ne sait pas. Qu'est-ce que les couvre-feu résoutent? La plupart des mesures prises par Tshisekedi ont été conseillées par un scientifique respectable mondialement, Muyembe. Et donc, ne faites pas insulte à l'intelligence de Muyembe ici. Les écoles là-bas, que vous puissiez encore répéter la même mesure ici. Je n'ai pas dit ça. Merci. Parce que moi, j'ai cherché à chaque fois que vous voulez l'école, je ne pouvais pas arrêter. Mais lorsque les ambassadeurs ont été écrits, vous avez rouvert les écoles. Les couvre-feu permettent d'arrêter les écoles. C'est payage que vous avez. J'ai appris qu'il y a déjà une initiative pour. C'est déjà parce que les gens ne respectent pas, c'est les boycotts des écoles. C'est le payage qu'on a institué. Un peu votre acharnement. On met trop de péages. Merci beaucoup. On doit laisser la place au journal maintenant. Que c'est dimanche, nous allons revenir sur le Grand Équateur avec une grande émission. Le Grand Équateur pour répondre à cette question. Est-ce que ces grands tout perdu depuis la mort du maréchal Mobutu? Aujourd'hui, il se constate que partout dans cette méga province autrefois du pouvoir pendant 32 ans, eh bien, on a perdu beaucoup de choses, pas d'école, pas d'infrastructure, pas d'eux. Donc, les leaders de ces coins vont, et la jeunesse aussi, répondre à cette question pendant 2h30, c'est dimanche, sur votre chaîne. Merci pour les encouragements. Envoyez vos questions, suggestions aussi, pourquoi pas. Nous allons en tenir compte de demain. Votre émission sera rediffusée soir, demain, jusqu'à lundi, et continuez à nous suivre. À très bientôt. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes